Le torchon brûle toujours entre Brad Pitt et Angelina Jolie, 5 ans après leur séparation. Déjà en guerre à propos de la garde de leurs enfants mineurs, les deux acteurs se disputent désormais une propriété commune acquise en 2011. La pomme de la discorde, une propriété viticole de plus de 30 hectares située dans le Var, avait été le théâtre du mariage de Brad Pitt et Angelina Jolie, qu'il avait choisi comme lieu pour la cérémonie. L'endroit, autrefois synonyme de magie pour le couple, est désormais le point névralgique de leur bataille juridique. La raison ? Selon des documents déposés par les avocats de Brad Pitt et récupérés par le Daily Mail, l'acteur accuse son ex-compagne d'avoir tenté de revendre ses parts du domaine sans avoir proposé de les lui revendre, comme la loi l'y oblige. La faute, semble-t-il, à un cafouillage dans l'acquisition des parts. Comme l'indique l'Express UK, Brad Pitt possédait initialement 60% du capital, et Angelina Jolie les 40% restants. Mais en 2013, l'acteur aurait transféré 10% de ses parts à sa femme, faisant du couple des actionnaires égaux. Angelina Jolie pourrait réaliser une belle affaire, un transfert aujourd'hui contesté, car jugé invalide par les avocats de Brad Pitt, mais qui n'empêche pas Angelina Jolie de tenter de vendre ses parts du capital sans l'accord de son ex-mari. La manœuvre pourrait permettre à l'actrice de faire une bonne affaire aux dépens de son ex qui a investi une quantité incroyable de travail, de temps et d'argent dans la propriété, informe l'Express UK. Brad Pitt tente donc de garder la main sur le château de Miraval, dont la valeur est estimée à 164 millions de dollars, soit 140 millions d'euros. Affaire à suivre.